Revolution. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'installation de iOS 11.3 qui vient juste de sortir. Alors, j'ai en possession le profil pour faire cette installation. Je peux donc vous le faire passer si vous le désirez. Dites-moi ça en commentaire. Mais attention, je ne suis en aucun cas responsable si vous installez cette version et si vous avez énormément de bugs. Pour l'instant, c'est la première bêta d'iOS 11.3 et ça peut être vraiment buggé. Je vais tenter de l'installer et voir s'il y a des nouveautés pour nous, pour voir si tout fonctionne bien et pour voir si les nouveautés sont intéressantes dans cette version. Attendez peut-être la version bêta 2 voire bêta 3 ou si ça vous tente, installez cette version. On va tout de suite aller dans les réglages et vérifier si la mise à jour est existante. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, likez cette vidéo et partagez-la avec tous vos amis. Puisque ici, on va voir maintenant tout de suite l'installation d'iOS 11.3 et toutes ses nouveautés. C'est parti, donc on va dans réglages, on va aller sur général, données, partage général, bouton, on valide. Sélection réglage. On va aller dans Général information mise à jour logiciel. Bouton. Mise à jour logiciel, on vérifie. Et ici, on a bien la version 11.3, iOS 11.3 qui nous est présentée. Alors, on va tout de suite en demander l'installation. Télécharger et installer. Bouton. Et on vérifie quand même. iOS 11.3 développé. Donc c'est bien la version développeur du profil. Si vous désirez ce profil, n'hésitez en aucun cas à me le mettre dans les commentaires. Attention, on est sur une première bêta et les premières bêtas, on le sait, elles sont buggées. Je vais l'installer pour vous, la tester, voir ce qu'il en sort et je vous ferai donc un retour sur les prochains jours. Allez, on va tout de suite la télécharger. Télécharger et installer. Book code. Code. On va faire tout de suite le code. Mise à jour demandée. Estompé. Et on va tout de suite faire la suite de la vidéo. Et à tout de suite, une fois que le téléchargement sera terminé. Voilà, donc on est parti. Téléchargement. Estompé. Bouton. Sur le téléchargement. Et actuellement, il va nous rester. Il reste environ 7 minutes. 7 minutes donc pour l'installation de la nouvelle version iOS 11.3 bêta. Il reste environ 6 minutes. Allez donc c'est parti, on va attendre. Préparation de la mise à jour. Voilà, on arrive sur la préparation de la mise à jour et l'installation. On va ensuite redémarrer sur la nouvelle version. Avertissement. Mise à jour logiciel. Installé. Bouton. Avertissement. En cours. Extinction et redémarrage de l'iPhone. Donc, le téléchargement et l'installation est terminé. Ici, donc, la preuve. Mise à jour logiciel. Balayez vers le haut pour terminer la configuration d'iOS 11.3. On va donc tout de suite l'écouter. On va balayer. Champ du code. 0 valeur saisie sur 6. On tape notre code. 3. 0. Avertissement. Carte SIM déverrouillée. 0. Configuration. Mise à jour terminée. La mise à jour de votre iPhone a réussi. Il ne vous reste que quelques étapes à effectuer. Continuez. Bouton. Confidentialité. En tête. Continuez. Bouton. Ici, on continue. Continuez. Analyse de l'iPhone. En tête. Pour aider Apple à améliorer ses analyses et confidentialité. Continuez. Bouton. Bienvenue sur l'iPhone. Balayez vers le haut pour commencer. On est donc prêt à tester le tout nouvel iOS 11.3 bêta 1. On va tout de suite déverrouiller. Mail. Vérifier. Réglage. Votre logiciel est à jour. iOS 11.3. On est bien ici sur du iOS 11.3. Alors attention,
Pour tous ceux qui voudront que j'échange le profil, il faudra bien sûr être abonné à la chaîne, avoir liké la vidéo et avoir mis donc le petit commentaire pour que je vous envoie le petit profil qui va bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans très peu de temps, les tests des nouveautés iOS 11.3, bêta 1. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines heures. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis donc à bientôt. Abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait. Likez, partagez et à bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Mise à jour iOS 11.3.